Bon les amis, voilà donc on se retrouve aujourd'hui donc pour la dernière vidéo sur le pan de cire. Donc j'ai fait le vieillissement hors caméra. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai pris de la peinture à l'huile, donc de la peinture noire, que je suis venu donc diluer avec de l'essence à briquet. Et donc j'ai badigeonné sur tout le camion ce fameux mélange. Donc et je suis venu donc le nettoyer avec le white spirit, parce que enfin, le white spirit ça nettoie un peu mieux que l'essence à briquet. Et donc voilà ce que j'obtiens, donc nickel hein. Super content du résultat, donc c'est exactement ce que je voulais, donc un vieillissement mais pas trop prononcé, parce que c'est quand même des véhicules assez récents. Et puis ce sont aussi des véhicules qui ne sont au vu des photos que j'ai vues sur le net, ils ne sont pas vraiment très salis. Donc j'ai également fait la tourelle également, donc voilà ce que ça donne. Donc là maintenant, donc ce qu'on va faire, donc on va vernir, donc on va vernir en satiné, donc avec le varnish HD satiné, donc de chez VMS. Et donc on va faire ça ensemble. Donc je prépare tout ce que j'ai besoin et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc je me suis préparé donc une bonne dose de vernis VMS. Donc c'est parti.
Voilà. Bon, écoutez, je vais attendre que ça sèche et on se reprend tout de suite. Bon ben voilà les amis, j'ai terminé donc le vernissage et j'ai aussi donc fait tout le reste du montage hors caméra parce que bon j'ai déjà montré du montage en caméra donc ben voilà je ne trouvais pas vraiment utile de vous montrer le montage en intégralité. Donc ben voilà, donc le pan de cire est enfin terminé. Donc avec toutes ces pièces dessus. Donc, vous voyez, c'est vraiment une belle bête. Hein. Et franchement, vous voyez le vernis satiné de chez VMS. Il est top de chez top. Franchement, je pense ne plus employer que ce type de que ce vernis. En plus, il ne sent rien et comme je l'ai dit précédemment également, je pense que je vais partir maintenant que sur des produits sans odeur. Moi, ça me convient, donc je veux donc préserver mes poumons et ceux de mon épouse et de ma fille. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai vraiment pas eu de problème notable au niveau assemblage de toutes les pièces qui restaient. Donc si je peux juste émettre deux petits avis négatifs sur ce kit, c'est que j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à emboîter la cabine. Donc j'ai dû casser, couper ou quatre pièces de la cabine pour pouvoir l'assembler, mais bon, de toute façon, ce sont des pièces que qu'on ne voit pas, donc c'est pas très très important. Et alors, autre chose aussi que je trouvais pas top top, c'est que sur le livret d'instructions, en fait, au niveau des instructions de peinture, donc on voyait le camion de comme ça, de face. De face de la cabine et c'est tout. Donc en fait je trouve ils auraient dû mettre l'autre face le schéma sur le côté alors le schéma du dessus il n'est pas présent non plus. Donc ça un petit point négatif qui est pour moi un petit peu plus grave que le fait de la cabine. Donc ça ils auraient dû faire attention à ça. Mais sinon, franchement, tout s'emboîte vraiment bien, mis à part la cabine. Rien à dire là-dessus. Comme je l'avais dit précédemment, donc j'avais fait le vieillissement à l'huile. Donc j'avais d'abord donc essayé de nettoyer à l'essence à briquet, mais je n'avais pas trouvé que ça s'enlevait aussi bien. Et donc j'avais enlevé ça au White Spirit. Ça allait déjà un peu mieux avec le White Spirit. Et maintenant, je vais employer celui-là. Donc celui de chez MIG, le Enamel Odor Lost In Air. Donc c'est celui que je vais employer à l'avenir. Enfin voilà, donc c'est vraiment un modèle qui m'a pris vraiment un certain temps. Donc, bah, surtout au niveau de la peinture, au niveau du montage, ça va encore. Mais j'ai vraiment, je me suis vraiment bien amusé sur ce kit, donc c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai commandé, enfin que j'avais acheté donc un autre kit que je vous avais montré, le Rhine Doctor R1 là de chez Amusing Hobby. Mais je ne vais pas le monter tout de suite, donc à mon avis, là ce que je vais faire, je vais essayer d'y aller au finish sur le Bismarck que je dois faire pour le client. Et après, je vais certainement partir sur le Maya, donc le croiseur lourd Maya de chez Fujimi ou un 700e. Voilà donc pour le programme pour, de la, pour la suite.
Comme ça, vous voyez un peu où je veux partir. Voilà. Bah, écoutez les amis, donc j'espère que vous aurez apprécié ce montage. Donc on se retrouvera, j'espère, assez rapidement, malgré le fait que comme je vous ai dit, que je fais des vidéos un peu moins souvent. Mais j'espère que vous serez toujours là pour suivre mes futurs montages. Voilà. Écoutez les amis, on se retrouve, j'espère, très vite. À très bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu vers le haut si vous avez aimé ce montage. Et venez nombreux, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Allez, tchuss les amis, à bientôt.